Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1841, Moses Hess s'adresse à son ami, l'écrivain Berthold Auerbach. « C'est un homme, écrit-il, qui a fait sur moi une impression extraordinaire, bien que nous ayons le même champ d'études. Tu peux t'attendre à faire la connaissance du plus grand et peut-être même du seul vrai philosophe actuellement vivant. Bientôt, lorsqu'il se manifestera publiquement par ses ouvrages et ses cours, tous les yeux d'Allemagne seront tournés vers lui. Le docteur Marx, c'est ainsi que s'appelle mon idole, est un tout jeune homme, âgé tout au plus de 24 ans, qui donnera le coup de grâce à la religion et à la politique médiévale. Il joint à l'esprit philosophique le plus profond et le plus sérieux, l'ironie la plus mordante. Représente-toi Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine ou Hegel, je ne dis pas rassemblés, mais confondus en une seule personne. » Moses Hess se trompait dans ce dithyrambe. Ce n'est pas seulement les yeux de l'Allemagne qui se tourneront vers Karl Marx, mais ceux du monde entier, pour le meilleur et pour le pire. En 2012, Thibaut Henton proposait en 60 minutes, de Berlin à Londres, en passant par Paris et Bruxelles, un survol de la vie et de l'œuvre du plus célèbre barbu de l'histoire de la philosophie. Très éclairant, par exemple pour tous ceux qui auront lu le manifeste, mais un peu calé sur le Capital. Écoutons Marx, L'horizon du monde, pour Une vie, une œuvre. C'est qu'il y a, au fond, assez peu de rapport entre la construction de son œuvre et les événements biographiques très importants, si importants qu'ils soient. Parce que Marx est quelqu'un qui vit à Londres, mais qui est un Européen, qui donc, pour lui, tout ce qui se passe en Europe est très proche de lui, aussi par sa culture à la fois allemande, française, etc. Et c'est quelqu'un qui a l'horizon du monde. Rappelons quand même que Marx a vécu une vie en exil, c'est-à-dire qu'au fond, il a assez peu vécu en Allemagne, qu'il est passé en France, en Belgique, il est revenu, il est parti en Angleterre. Et au fond, l'essentiel de sa vie, de son œuvre, de son action s'est déroulé à Londres. Il y a aussi des comptes rendus de flics, enfin de policiers qui vont chez le docteur Karl Marx voir un peu comment ça se passe, et ils décrivent qu'il est sert d'une conversation brillante, mais que chez lui c'est un bazar pas possible, qu'il y a de la poussière partout, des bouquins partout, qu'on peut pas se déplacer sans faire tomber des manuscrits, qui vivent dans un taudis à je sais plus combien ils étaient, il y a les trois filles, la bonne, Hélène Desmuttes et Marx et sa femme. Bon. Voilà, il y a... Je pense que c'est le train de vie d'un militant révolutionnaire de l'époque, quoi. Et c'est quelque chose qui résonne dans l'œuvre, quoi, forcément, d'une manière ou d'une autre, quoi. Karl Marx, L'horizon du monde. Il vient de la bourgeoisie de Trèves, la bourgeoisie de l'ouest de l'Allemagne. C'est un citadin. Jean-Pierre Lefebvre, traducteur. Un juif converti. Le premier frère a été circoncis, la sœur n'a pas été baptisée dans un premier temps. Il y a eu un baptême collectif de la famille quand Marx était un jeune enfant. Et cette conversion, évidemment, représentait... une accession, disons, au statut général de la bourgeoisie allemande. Il a fait ses études au lycée. Enfin, c'est un bourgeois. À mon père, novembre 1837. Cher père, il y a des dates de la vie qui, comme les bornes d'un chemin, se profilent sur le passé et en même temps indiquent nettement une nouvelle orientation. Arrivé à Berlin, je devais étudier le droit, mais j'éprouvais avant tout le besoin impérieux de lutter avec la philosophie. Les nombreuses occupations qui m'avaient fait veiller pendant ce premier semestre durant bien des nuits, les luttes intérieures que j'avais à mener,
les incitations multiples à des travaux dont je ne devais pas finalement retirer un grand enrichissement et qui me faisaient négliger la nature, l'art, le monde et éloigner mes amis. De tout cela, mon corps ressentait les effets. Un médecin me conseilla la campagne et pour la première fois, je traversai la ville dans toute sa longueur pour aller dans la banlieue à Stralau. Je ne pensais pas que, jeune homme pâle et anémique, je m'y transformerais en peu de temps en un robuste gaillard. De l'enfance de Marx, on ne sait pas grand-chose. On a projeté rétrospectivement sur cette histoire l'image d'un Marx tyrannique, autoritaire, maître après Dieu à bord de la grande nef des fous prolétarienne. En fait, en examinant les choses de manière un peu plus sérieuse, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait exact. Assez peu de ses frères et sœurs, je pense qu'il a dû avoir 8 enfants, dont 6 vivants un certain temps, assez peu ont dépassé la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette famille une maladie qui était à la fois une maladie répandue dans la société, avec peut-être des facteurs d'absence immunitaire propres à la famille Marx. Beaucoup d'enfants Marx de cette fratrie sont morts des poumons, sont morts de ce qu'on appelait la phtisie, qu'on appelle en allemand Schwindsucht, c'est-à-dire la maladie de la disparition. Et Marx lui-même est mort d'une maladie du poumon, mais tardive. Voilà ce qu'on peut ajouter à cette histoire qu'il a revécu lui-même avec ses propres enfants, puisqu'il a perdu des enfants en très bas âge, des enfants auxquels il était extrêmement attaché. C'est que d'une certaine manière, ça c'est un peu anecdotique, mais on peut quand même le signaler. C'est à cause d'une affection des poumons que les médecins qui suivaient les étudiants à l'époque lui ont conseillé de partir se reposer. Il n'est pas allé très loin, il était étudiant à Berlin. Donc il est allé au bord d'un des lacs qui entourent Berlin. Et c'est là qu'il a disposé d'un certain temps dont il ne disposait pas jusque-là, où il a travaillé beaucoup sur Hegel notamment. Donc c'est une espèce de ruse, pas de la raison, mais comme ça, de ruse de l'histoire et de ruse de la nature. Donc on ne va pas attribuer le marxisme à une maladie pulmonaire, mais voilà, il faut, puisqu'on se penche sur sa jeunesse, on peut signaler le fait. À Rouge, septembre 1843. Je serai de toute façon à la fin de ce mois à Paris, car avec l'air d'ici, on attrape une mentalité d'esclave et il n'y a absolument pas place en Allemagne pour une activité libre. L'avantage de la nouvelle tendance, c'est justement que nous ne voulons pas anticiper le monde dogmatiquement, mais découvrir le monde nouveau, en commençant par la critique du monde ancien. Le jeune Marx, à Berlin, en fait, va faire partie de cette jeunesse révoltée. Isabelle Garraud, philosophe. Et il va rencontrer très rapidement d'autres jeunes qui sont un peu plus âgés que lui, en l'occurrence, mais qui ont constitué un club, un groupe de jeunes hegéliens contestataires. Ils vont s'appeler eux-mêmes les Freien, les affranchis. Et dans ce groupe, Marx va commencer à faire des rencontres à la fois de jeunes philosophes, à réfléchir à la politique, à se politiser, à envisager de devenir journaliste, qui sera très vite le cas, puisque dès 1942, il devient rédacteur de la Rheinische Zeitung. Et donc il va s'impliquer à cette occasion-là, en Allemagne, dans une mouvance qui est d'abord une mouvance philosophique, mais qui l'ouvre en fait aux questions politiques. Puis son travail de journaliste va l'ouvrir encore plus aux questions sociales et politiques. Et c'est là qu'il va découvrir en fait la réalité de l'Europe de cette époque, donc d'abord en Allemagne. Alors dans le contexte de cette Allemagne, de l'Allemagne de façon plus générale, qui est dans un système féodal, Marx va s'intéresser à un certain nombre de décisions qui sont prises et qui sont prises par la Diète rhénane, donc par l'Assemblée rhénane. On a des forêts qui jusque-là permettaient à une paysannerie pauvre et qui est en voie de paupérisation d'ailleurs dans les années 1840, qui permettaient à cette paysannerie de survivre entre autres en ramassant le bois mort. Donc des coutumes et des traditions ancestrales qui autorisaient ce ramassage du bois mort. Et ces coutumes vont être remises en cause à partir du moment
où on a l'installation d'un premier capitalisme, de premières relations marchandes qui amènent les propriétaires des forêts à interdire ce ramassage du bois, à le condamner. Donc c'est un peu un cas d'école qui va amener Marx à réfléchir à la question du droit et réfléchir un peu à front renversé, si on veut, à la question d'une modernisation du droit qui, par ailleurs, peut se présenter aussi comme une régression. C'est-à-dire, pour des populations pauvres, finalement, le droit coutumier se présentait davantage comme une protection, d'où l'importance pour Marx de cette analyse-là, et d'où l'importance de ces nouveaux rapports sociaux qui sont en train de se mettre en place et dont il mesure à ce moment-là toute l'importance qu'ils vont prendre. La Rheinische Zeitung, dont il est devenu rédacteur en chef, a été l'objet d'une mesure de censure de la part du gouvernement prussien, à la suite, alors c'est plutôt un prétexte, d'un article très virulent concernant la Russie. Et le gouvernement allemand, le gouvernement prussien plutôt, prend prétexte de cet article. De toute façon, il avait l'intention de le faire, mais pour fermer, pour interdire l'apparition de la Rheinische Zeitung. Et dans ces conditions-là, Marx dit lui-même qu'il est assez content d'arrêter de se battre à coups d'épingle et qu'il va pouvoir engager une lutte un peu plus politique, un peu plus décisive. Et il vient en France, alors il vient en France dès 1943, avec Jenny, avec sa femme Jenny Marx. Et en France, il va là avoir l'occasion de rencontrer les socialistes français, l'immigration allemande qui est très importante en nombre, qui est organisée aussi, organisée en société secrète. Hein, on peut dire que c'est le cas du mouvement ouvrier dans l'Europe d'alors, hein, des ligues, des sociétés secrètes. Et il va prendre contact donc à cette occasion vraiment avec le mouvement ouvrier français. Et c'est un des moments essentiels de sa vie et de sa formation. Pierre Dardot, philosophe. Jacques Grandjean, dans un livre assez remarquable, avait estimé qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers allemands qui étaient exilés à Paris. Donc c'est une communauté qui est assez importante, en plus qui fermente politiquement, et donc c'est une prise de contact qui va compter dans la formation politique et intellectuelle de Marx. Et il rencontre en outre des représentants du prolétariat parisien, et il se lie d'amitié avec un certain nombre de personnes, avec le poète Heine, qui est là depuis un certain temps justement à Paris, et il rencontre quelqu'un comme Proudhon, par exemple, avec lequel dans un premier temps il va avoir des relations qui seront assez amicales et des relations essentiellement intellectuelles, avec des conversations qui vont se poursuivre souvent assez tard, la nuit, des conversations nocturnes justement, sur la dialectique hegelienne en particulier. Et il y a aussi ce qui est assez notable, des conversations avec Bakounine. Donc ce qui est assez curieux, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a aucune animosité particulière, ni à l'égard de Bakounine, ni à l'égard de Proudhon. Il y a des divergences peut-être qui se font jour, mais elles sont encore relativement imprécises, absolument pas rigidifiées. Bon, donc là, il y a une sorte d'entretien intellectuel prolongé, avec des figures assez marquantes, avec lesquelles il entretiendra des relations plus tourmentées par la suite, quoi. À Annenkopf, décembre 1846. Tout ce que M. Proudhon vous dit de la division du travail n'est qu'un résumé, et de plus un résumé très superficiel, très incomplet, de ce qu'avaient dit avant lui Adam Smith et mille autres. M. Proudhon est de la tête aux pieds philosophe, économiste de la petite bourgeoisie. Le petit bourgeois, dans une société avancée et par nécessité de son état, se fait d'une part socialiste, de l'autre part économiste. C'est-à-dire qu'il est ébloui par la magnificence de la haute bourgeoisie et sympathise aux douleurs du peuple. Il se vante, dans le fort intérieur de sa conscience, d'être impartial, d'avoir trouvé le juste équilibre qui a la prétention de se distinguer du juste milieu. Un tel petit bourgeois divinise la contradiction, car la contradiction est le fond de son être. Il va y avoir, non pas tout de suite une rupture, mais au contraire une continuation, une sorte de prolongement de la collaboration. Et en 1845 et en 1846, Marx va proposer à Proudhon de collaborer justement à la mise en place d'un réseau de comités de correspondance communiste destiné à faire circuler un petit peu l'information entre les différents pays européens, l'Allemagne et la France principalement, mais aussi l'Angleterre, à faire connaître donc les publications des uns et des autres. Et dans le principe, d'ailleurs, Proudhon va accepter
la proposition dans un premier temps, même s'il a tendance à considérer que Marx a une approche qui est un petit peu étroitement économiste des problèmes. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas du tout de rupture à ce moment-là. La véritable rupture va intervenir après. Elle va intervenir avec la publication par Proudhon de son ouvrage sur le système des contradictions économiques, donc le fameux Philosophie de la misère, auquel Marx va répondre par un texte qui est un pamphlet assez terrible. Et là, ça paraît en 1847, et c'est le fameux Misère de la philosophie. Alors là, on peut dire que c'est fini. Parce que là, précisément, en plus, il se trouve que la critique se concentre sur la méconnaissance de la dialectique hegélienne. Et Marx reproche à Proudhon de ne rien y comprendre. Et donc là, c'est vraiment, évidemment, en plus, c'est intéressant à noter, puisque ça rejoint le contenu des conversations qu'ils avaient eues, qui avaient porté dans une très large mesure sur la dialectique hegélienne. Donc là, ça fait mal. Et on peut dire qu'à partir de 1847, c'en est fini. Là, il y a une rupture très profonde et irréversible qui se produit. Il collabore à un journal qui s'appelle Le Vorwärts, en avant. Et dans le Vorwärts, en 44, on a la parution d'un article virulent contre l'empereur de Prusse, Frédéric Guillaume IV. Et le gouvernement prussien fait pression sur le gouvernement français pour obtenir l'expulsion de Marx. Et c'est Guizot qui va s'occuper de cette affaire. Donc Marx va être expulsé. En fait, il a le choix entre cesser toute activité politique et intellectuelle ou bien s'en aller. Il choisit de s'en aller et de partir à Bruxelles. Donc là, il part tout seul dans un premier temps. Il sera rejoint un petit peu plus tard par sa femme et par sa fille qui est née entre-temps en France. Et il va proposer ce qui me semble être plutôt une critique de la philosophie. Donc un travail lui-même de nature philosophique, pas seulement, mais aussi de nature philosophique, plutôt que rejeter et abandonner cette philosophie. Je crois qu'on trouvera tout au long de son œuvre, du coup, cette présence d'une réflexion de type philosophique, mais plus d'une philosophie qui est séparée des enjeux sociaux et politiques, mais à l'inverse, qui est investie, y compris dans les luttes auxquelles Marx participe. Donc c'est ça qui se met en place dès l'idéologie allemande et qui va amener petit à petit Marx à élaborer un certain nombre de concepts, à travailler aussi sur le terrain de l'économie politique et de sa critique, et là, à frayer une voie tout à fait originale. Alors, ce qu'il reprend aux idéologues, c'est cette idée qu'on peut, pour comprendre des idées, d'abord s'intéresser à leur origine et s'efforcer d'en faire la genèse. Lui n'en fera pas la genèse sur le terrain d'une physiologie, mais sur le terrain de l'histoire sociale, économique, politique. Et il va reprendre le terme justement pour désigner cet effort qu'on trouve dans l'idéologie allemande, mais qu'en un sens on trouvait déjà dans la Sainte Famille et puis qu'on va trouver également par la suite, qui est de comprendre pourquoi, à un moment donné, des idées émergent et pourquoi des idées ont un écho et s'ancrent dans la réalité, éventuellement jouent un rôle parfois transformateur, parfois conservateur dans cette réalité. Alors c'est le début de l'idéologie allemande qui se moque justement de la thèse que Marx prête aux jeunes hegéliens, avec cette petite anecdote de l'homme qui se noie. Et Marx dit d'après les jeunes hegéliens, il faut que cet homme, pour ne pas se noyer, se débarrasse de l'idée de pesanteur. Voilà, donc ce pouvoir des idées auquel croient les jeunes hegéliens, et puis qui va finalement être la cause de leur grande amertume et de leur passivité politique, puisque ces idées, les leurs, n'ont pas réussi à changer quoi que ce soit dans la Prusse d'alors. Est-il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions des hommes, en un mot leur conscience, changent avec tout changement survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale. Que démontre l'histoire des idées, si ce n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle? Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Sans doute, dira-t-on, les idées religieuses, morales, philosophiques, politiques, juridiques, etc., se sont modifiées au cours du développement historique. Mais la religion, la morale, la philosophie, la politique, le droit se maintenaient toujours à travers ces transformations. Il y a de plus des vérités éternelles telles que la liberté, la justice, etc., qui sont communes à tous les régimes sociaux. Or, le communisme abolit les vérités éternelles, il abolit la religion et la morale au lieu d'en renouveler la forme, et cela contredit tout le développement historique antérieur. Manifeste du Parti communiste.
Le manifeste est un des moments de transition, puisque Marx, en 1847, donc, a été mandaté par la Ligue des Justes, qui est devenue la Ligue des Communistes, pour rédiger ce qui, jusque-là, dans le cadre des organisations un peu secrètes, un peu clandestines, qui étaient les ligues, ce qu'on appelait des catéchismes. Et Marx, justement, en rédigeant avec Engels le manifeste du Parti communiste, va rompre avec cette tradition des sociétés secrètes et va considérer que seul un parti ouvertement organisé, avec des thèses qui sont des thèses théoriques solides, qui relèvent d'un véritable savoir et pas des thèses ésotériques plus ou moins secrètes, peut être un acteur politique. Et pour lui, 48 sera vraiment la confirmation de ça. Premièrement, il existe une tradition culturelle d'origine religieuse, de défense de celui qui souffre, dans toutes les religions, et en particulier dans les religions monothéistes, réactivées, bien sûr, idéologiquement, si l'on peut dire, par Rousseau, et par toute une tradition, mais même par Voltaire. On défend celui qui souffre, on défend celui qui est opprimé, on défend la victime. Et tout en étant un critique de ça, de la religion. Oui, mais précisément, la critique qu'il fait de la religion consiste à exhiber les limites d'un discours qui n'est que de commisération ou d'aide qui ne sont qu'individuelles, qui n'ont pas pris un tour social, historique, politique. Car évidemment, il y a des limites à cela. Et précisément, le geste de rupture, de bascule, consiste à dépasser le niveau de ce que les chrétiens appellent la charité, à dépasser cela, à lui donner un contenu qui est celui du monde moderne, qu'il rencontre en plusieurs temps. Je pense que lorsqu'il quitte l'Allemagne parce qu'il en est chassé, parce qu'il ne peut plus travailler de toute manière, les journaux sont interdits, etc. Lorsqu'il quitte l'Allemagne, il arrive dans des pays plus industrialisés que l'Allemagne, notamment la France, dans un premier temps. En France, dans la France de la monarchie de Juillet, il découvre une classe ouvrière qui se révolte, qui se bat, qui exhibe sa misère, qui affronte les armes à la main son ennemi. C'est les premières grandes manifestations des Tisserands, des Lyonnais, des Soyeux des années 1830. Puis il rencontre aussi des ouvriers qui pensent, des ouvriers qui ne se laissent pas faire, des ouvriers qui ont tissé des liens avec les penseurs, notamment les néo-babouvistes, les communistes, les premiers communistes des années 40, qui vont donner un contenu social très fort au mouvement politique de la monarchie de Juillet, qui aboutiront à la révolution de 48, dont la forme sociale, précisément, produira le retournement droitier et le raidissement terrible de la bourgeoisie qui a soutenu Napoléon le Petit. Le pas décisif, disons, va être franchi quand il va partir en Angleterre, où là, il va assister à un phénomène massif, énorme. Là, la souffrance a un nom, elle est ouvrière. Et l'ouvrier est un paysan déclassé, est un paysan que le capital a forcé, que le capital a sorti de son statut de paysan et dont il a fait un ouvrier. Marx, qui a failli d'ailleurs partir travailler au chemin de fer aux États-Unis, et qui n'a pas été pris parce que son écriture était illisible, ce qui est bien aussi l'indice du fait qu'il a failli être un travailleur immigré sans le sou. Marx a été le contemporain, dans sa jeunesse, dans ses années de formation, de l'installation du chemin de fer en Allemagne. Et on peut être tenté de voir dans le chemin de fer, dans la locomotive, des métaphores du capital. Et l'un des points qui m'a toujours rendu réticent à une métaphore industrielle, c'était que justement l'industrie, les trains, les usines, les moteurs, tout ça, c'était des moyens de production, mais ça n'était pas l'ensemble du procès. Que dans le procès capitaliste,
il n'y a pas que du capital constant, des outils, etc., du matériau, mais il y a aussi le travail des hommes. Et non seulement il y a le travail des hommes, mais il y a aussi la cupidité des hommes, il y a aussi la cupidité du capital. Et donc, il y a cette dimension, ce côté qui fait que Marx, dans le Capital, cite très souvent Shakespeare et en particulier Shylock, qui dit, dans Le Marchand de Venise, « Je veux la peau et les os, hein, je veux tout bouffer. Hein. » Il y a ce côté rapace du Capital qui est une espèce de force naturelle. Maintenant, le Capital, c'est aussi quelque chose qui échappe à la métaphorisation. Hein. Et si ça rentrait dans une métaphore correcte, il aurait peut-être été plus efficacement combattu. Sa grande force, c'est peut-être d'échapper à la représentation, d'échapper à la métaphorisation, d'échapper au discours. Et tout l'effort de Marx a été de rétablir le discours, la parole, le logos sur le monde. Mais sinon, l'essentiel du discours était monopolisé comme par des théologiens du capital. Et c'est toujours le cas, on n'en est pas sorti. On a eu des ministres économistes, on a eu Raymond Barre, hein, on a failli avoir Strauss-Kahn. Hein, et voilà, avec tout ce personnel, en quelque sorte, de l'autorité du capital. Marx l'a deviné. À Kugelmann, juin 1867. Pour la traversée de Hambourg à Londres, le temps a été en somme favorable, exception faite d'un premier jour assez rude. Quelques heures avant l'arrivée, une demoiselle allemande dont l'allure militaire m'avait déjà frappé me déclara qu'elle voulait partir de Londres pour Weston-sur-Mer le soir même et qu'elle ne savait pas comment elle se tirerait d'affaire avec tous ses bagages. Nous arrivâmes à 2 heures de l'après-midi, je conduisis la Donna Errante à sa gare où j'apprends que le train ne part qu'à 8 heures du soir. Du coup, I was in for it. J'étais pris. Il me restait 6 heures à tuer avec mademoiselle. Nous nous promenâmes dans Hyde Park, nous arrêtant dans des ice shops. C'est alors que j'appris qu'elle s'appelait Elisabeth von Puttkamer et qu'elle était la nièce de Bismarck, chez qui elle venait de passer quelques semaines à Berlin. Elle ne fut pas peu étonnée quand elle apprit qu'elle était tombée dans les mains d'un rouge. Je la consolai cependant et lui assurai que notre rendez-vous se terminerait sans effusion de sang. Et je la vis s'en aller saine et sauve vers son lieu de destination. Pensez donc quel pain béni ce serait pour les démocrates vulgaires que ma conspiracy with Bismarck. J'ai expédié aujourd'hui la 14e feuille d'épreuve du livre 1 du Capital. J'en ai reçu le plus grand nombre alors que je me trouvais chez Engels, qui s'est montré extraordinairement satisfait du bouquin et trouve qu'il est d'une écriture très facilement compréhensible, à l'exception des placards 2 et 3. Son jugement m'a tranquillisé, car mes travaux, une fois imprimés, me déplaisent toujours très fort, à première vue surtout. Entre Marx et Engels, la partie qui se joue est assez compliquée. C'est à la fois l'histoire d'une amitié, d'une fidélité incroyable, enfin rare dans l'histoire politique en tout cas, et intellectuelle. Christian Laval, sociologue. Et c'est en même temps une division du travail qui coûte à Engels, puisque pendant 20 ans, il va se consacrer donc à des activités commerciales et industriel, donc dans la firme familiale à Manchester. Mais en même temps, il finance Marx et sa famille, et autant qu'il le peut, y compris en faisant de la cavalerie dans l'entreprise, en essayant le plus possible de déverser au fond dans la famille, de donner le plus possible d'argent pour sauver d'abord la famille de la plus grande misère noire au début des années 50. Et puis ensuite, pour assurer à la famille de Marx, justement, je dirais, un certain rang dans la société. Un train de vie. Un certain train de vie, parce que n'oublions pas que on a souvent entretenu l'idée que Marx avait été toujours, toute sa vie, dans la plus grande misère. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai tout au début des années 50. Et puis après, la situation s'améliore très nettement grâce à Engels. Mais le problème, et Marx le reconnaît très souvent quand il se plaint régulièrement à Engels, il dépense trop. Il dépense trop, pourquoi ? Parce que finalement, il vit au-dessus de ses moyens
Et c'est toujours le même, c'est toujours Engels qui vient aider les choses. N'oublions pas également que c'est Engels qui amène en 1845 Marx par la main, si je puis dire, en Angleterre, qui l'amène à découvrir à la librairie, à la bibliothèque de Manchester, un certain nombre d'ouvrages absolument fondamentaux des années 1820-1825, qui sont ceux des courants ricardiens de gauche, ouvrages dans lesquels Marx va découvrir là, le secret de l'exploitation, en particulier la surplus value chez William Thompson. Donc, c'est Engels, finalement, qui est à un certain moment le guide de Marx. D'où, d'ailleurs, l'étrangeté ensuite de cette division du travail où Engels va, lui, justement, être dans le business et apporter l'argent à Marx qui se consacrera à l'œuvre économique. Alle fünf arbeiten zu langsam. Mehr Tempo. Je crois que surtout il y a un livre très important. Enfin, je pense que c'est la situation de la classe ouvrière qui est un livre magnifique. Il y a des passages particulièrement importants sur la concurrence. Je crois que c'est Engels qui voit le mieux comment la concurrence n'est pas seulement un fonctionnement économique, est aussi un moyen de gouvernement de la bourgeoisie. Comment la concurrence en particulier entre les ouvriers anglais et les ouvriers irlandais est un moyen, en divisant la classe ouvrière, de la dominer. Et je crois que Marx a été profondément sensible, en tout cas influencé par ce texte dont il fait mention très souvent, en particulier dans le Capital. Et puis n'oublions pas qu'Engels, donc pendant 20 ans, est donc un directeur d'entreprise. C'est un industriel capitaliste qui va être un des grands informateurs de Marx sur la vie économique, sur les cycles commerciaux, sur les mécanismes comptables, sur les techniques de gestion. Et je pense qu'on ne doit pas oublier que quand ils échangent, Marx et Engels, quasi quotidiennement, passe là aussi une masse d'informations, je dirais presque en direct. Marx, en fait, grâce à Engels, est directement branché sur la vie du capitalisme anglais et mondial. Parce que, évidemment, Engels lui raconte comment évoluent les marchés, les produits, etc. C'est ce qui est un peu difficile à comprendre, disons, là, quand on commence à lire le Capital, c'est que Marx développe une théorie qui va des conditions les plus générales, qui sont les conditions, à ses yeux, les conditions marchandes, à des conditions qui sont plus particulières. Jacques Bidet, philosophe. Le capitalisme, c'est bien une économie marchande, mais dans lesquelles tout est marchandise, tendanciellement, y compris la force de travail. Et lorsque dans la mesure où la force de travail est une marchandise, alors il se produit une complication dans le système. Et cette complication, c'est qu'on va acheter cette marchandise pour la faire travailler plus longtemps que le temps qui est compris dans les biens qu'il peut acheter avec son salaire. Et c'est strictement, rigoureusement, ce qu'on peut appeler l'exploitation. La bataille sur le marché, elle ne se fait pas pour la production de biens, de valeurs d'usage ou de services, elle se fait dans l'esprit de ceux qui sont les maîtres du marché, elle se fait pour obtenir du profit, de la plus-value, et plus de profit que le concurrent, parce que c'est à cette condition qu'on emporte sur lui, que finalement on surnage, on peut dire. Voilà. Frédéric Monferrand, doctorant. Si on s'en tient à l'explication rigoureuse de ce qu'est l'exploitation que vient d'exposer Jacques Bidet, c'est bien sûr le noyau dur de la théorie, mais si on enlève toutes les pages, disons, ethnographiques,
presque phénoménologique qui accompagne la description des conditions de vie, des conditions de travail, bien sûr, mais des conditions de vie quotidienne des travailleurs, il reste plus grand-chose dans le capital. C'est quand même une énorme partie du capital qui est consacrée à ça. Et ça, je pense que c'est un... On peut se demander pourquoi Marx a ressenti ce besoin de, d'exposer descriptivement ce que ça voulait dire d'être quotidiennement exploité, quoi. Ce que ça voulait dire de vivre dans des taudis, ce que ça voulait dire de ne pas pouvoir se nourrir décemment, de tomber malade. Bon, et ça, c'est des... Et ça, faire une théorie critique de la société, c'est aussi rendre visible ces aspects-là, quoi. Ce qu'on considère comme, éventuellement comme non politique. Bon, bah, les gens tombent malades, tant pis pour eux, mais rendre visible ce que ça veut dire quotidiennement pour des gens que de trop travailler, ça, je pense que c'est un moment important que, du capital et un moment qui intéresse authentiquement Marx depuis longtemps, quoi. Depuis les manuscrits de 44, en gros. Et ça, c'est très intéressant de voir aussi... comment la liberté, égalité, rationalité que se reconnaissent les acteurs de l'échange marchand se retourne en une vie qui n'est pas digne d'être vécue, quoi, tout simplement. Oui, c'est très intéressant. Et en même temps, les deux sont très liés. Disons, l'exposé théorique abstrait et l'exposé, disons, sociologique sont absolument inséparables. C'est bien vrai que Marx a une expérience globale et en même temps, c'est l'expérience de la classe ouvrière, mais en même temps, elle est médiatisée par la lecture des rapports des inspecteurs de fabrique, qui sont les journalistes, les sociologues, entre guillemets, dont Marx est absolument nourri. Mais, alors, ces inspecteurs de fabrique ne sont pas marxistes, si je puis dire. C'est-à-dire que cette sociologie critique toute seule, elle ne fait pas non plus la théorie. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est l'articulation entre les deux. Le Capital, livre 1, chapitre 23. La loi générale de l'accumulation capitaliste. Petit c, la population migrante. Nous nous tournons maintenant vers une couche de population dont l'origine est rurale, mais dont l'occupation essentielle est industrielle. Elle constitue l'infanterie légère du capital qui, selon ses besoins, la lance tantôt en tel endroit, tantôt en tel autre. Quand elle n'est pas en marche, elle campe. Le travail migrant est utilisé dans diverses opérations de construction et de drainage, la fabrication des briques, la cuisson de la chaux, les constructions de voies ferrées, etc. Colonne mobile de la pestilence, elle importe dans les localités près desquelles elle établit ses campements la petite vérole, le typhus, le choléra, la scarlatine, etc. Voir le rapport de la santé publique. Dans les entreprises qui disposent de capitaux importants, comme c'est le cas de la construction de voies ferrées, etc., c'est généralement l'entrepreneur lui-même qui fournit à son armée des baraques de bois ou autres habitations du même style, des villages improvisés dépourvus des moindres dispositions sanitaires, hors du contrôle des administrations locales, fort rentables pour monsieur le contractant, qui exploite les ouvriers doublement, comme soldats d'industrie et comme locataires. Le Capital, qui est paru donc en 1867, a été édité un très petit nombre d'exemplaires et il a commencé à se vendre davantage après la mort de Marx. Donc, de fait, les droits d'auteur n'ont certainement pas été très, très élevés. Mais ce qui change, ce qui fait mûrir sa travailler, transformer sa théorie, c'est peut-être un jour, tout d'un coup, il a, en se levant comme ça de sa sieste peut-être, il se remet à penser à Aristote et tout d'un coup, là, il est en pleine marchandise, et il s'en va relire Aristote. Et voilà, chez Aristote, quelque chose manque à Aristote, qui est le fait qu'Aristote est dans un monde d'esclavage, où la catégorie de liberté est très étroitement encadrée, alors qu'avec la généralisation des rapports marchands en ce début du XIXe siècle fait que, censément, tous nos rapports sont des rapports d'échange entre des hommes libres. Et là, en lisant Aristote, tout d'un coup, il a... je ne sais pas, entre les Grundrisseux et le Capital, tout d'un coup, il se replonge dans Hegel, pour lesquels il n'y a pas de doute que le salarié est un homme libre, parce qu'il ne donne qu'une partie de son temps pour un temps déterminé. Bon, alors le commentateur standard dit il est libre, bien sûr, il est libre de faire ce qu'il veut de son salaire et il est libre de changer de maître. Dans la mesure où il dispose de cette faculté de changer de maître, évidemment, le rapport au maître se trouve modifié. Il commence à voir
un peu de pouvoir sur l'action du maître. À Kugelmann, juillet 1871. Songe, mon cher, que si les journées avaient 48 heures, je n'aurais quand même pu, depuis des mois, venir à bout de mon travail quotidien. Le travail pour l'international est immense. De plus, Londres est pleine de réfugiés dont il faut nous occuper. Et puis, d'autres personnes, des journalistes, des gens de toute espèce me harcèlent pour voir le monster de leurs propres yeux. La presse quotidienne et le télégraphe qui répand ses inventions en un clin d'œil dans tout le globe fabriquent plus de mythes en un jour qu'on ne pouvait en fabriquer autrefois en un siècle. Et ces veaux de bourgeois les gobent et les diffusent. Ce n'est pas un orateur, ce n'est pas quelqu'un qui prend la parole au moment de la fondation de la Première Internationale, je veux dire par là en tant qu'orateur désigné, mais en revanche il joue un rôle d'inspirateur extrêmement important. Il participe ensuite aux réunions du comité qui est issu de la fondation de la Première Internationale. Il joue un rôle également très actif dans l'adoption justement de la charte programmatique, mais en même temps, et il faut signaler ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent à tort comme ça qu'il prend un plaisir à cette espèce de réunionnite, pas du tout. Il en a très vite marre, et il le dit. Il le dit en particulier à Engels, il dit « j'ai l'impression de perdre mon temps. J'en ai assez, toutes les semaines, il faut aller aux réunions, il faut discuter avec des gens pour essayer de les convaincre. J'ai l'impression que tout ça est peine perdue et je voudrais avoir du temps pour pouvoir mener à bien mon œuvre intellectuelle. » Donc il pense toujours à ça. Il pense toujours, il se dit assez souvent, « j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai sacrifié une partie de mon temps, j'ai accepté de m'engager dans des réunions pour finalement aider ce mouvement à prendre corps dans des textes. Mais en même temps, j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de mener à bien ma grande tâche, finalement, qui est la critique de l'économie politique, c'est-à-dire la rédaction du Capital. » Et ça, on sent que c'est tellement important pour lui que le reste lui pèse très vite. C'est la raison pour laquelle, justement, il délègue beaucoup de choses à Engels concernant le travail dans la Première Internationale. Ouais, je crois qu'il faut dire que Marx n'est pas le militant professionnel toute sa vie. C'est pas du tout le professionnel de la Révolution selon le modèle léniniste. Voilà, pour le dire carrément, pour le dire ouvertement. Donc, il s'en va. Il quitte. Il adopte une ligne de rupture. Et il va travailler. Engels, quand il a découvert la masse de manuscrits laissés en friche par Marx, était quasiment désespéré. Enfin, il a eu un coup de déprime terrible en se disant qu'est-ce qu'il a fait en consacrant autant d'années à la lecture d'ouvrages russes. Pendant longtemps, Marx a vu les formes anciennes, les formes communales archaïques comme des vestiges d'un ancien monde qui allait nécessairement disparaître. Dans les années 1860, à la fin des années 1860, et surtout dans les années 1870, après la Commune, Marx plonge dans la littérature ethnographique, géographique, et prend conscience qu'il y a des formes universelles qui ont précédé le féodalisme et le capitalisme, qui sont des formes communales. Formes communales qui ont encore une certaine activité en Russie. Au fond, ce vers quoi il se dirige, c'est vers l'idée que ces formes anciennes ne sont pas nécessairement condamnées, qu'elles peuvent être le point de départ, je dis bien le point de départ, d'une autre route vers le communisme. La voie anglaise n'est pas la seule voie possible. Marchons, marchons, qu'un sang a pu. Feu, feu.
Quand se déclenche l'insurrection parisienne, il est très sceptique quant à ses chances de réussite, juste type malheureusement, et il va néanmoins appuyer et être rapidement très admiratif des réalisations de la Commune, donc sur un laps de temps extrêmement court, très admiratif de la façon dont la Commune va être... Va produire une œuvre législative importante, hein, concernant le droit du travail, concernant le travail de nuit des femmes, par exemple, concernant l'éducation. Très critique, en revanche, sur la capacité des communards à se défendre, et à se défendre face à l'assaut des Versaillais. Critique de façon féroce leur naïveté, leur impuissance militaire. Mais au total, c'est quand même une très grande admiration qui prévaut. Et le texte de Marx sur la Commune de Paris montre que Marx trouve là une sorte de vérification empirique d'un certain nombre de ses thèses, et en particulier de thèses de Marx qui sont assez peu connues, qui concernent la démocratisation. Ça, c'est évidemment le résultat de cette réflexion très ancienne sur la machine étatique, donc réflexion postérieure à 48. Marx en vient à penser qu'on ne peut pas s'emparer de l'État, qu'un pouvoir ouvrier ne peut pas s'emparer de l'État tel qu'il est, sauf à être immédiatement piégé dans son fonctionnement, mais qu'il faut engager immédiatement le dépérissement, le bris des institutions étatiques. Et la Commune de Paris donne l'exemple de ça, effectivement. Phénomène qu'on pourrait qualifier d'autogestionnaire aujourd'hui, et qui en même temps met en place une direction politique, mais une direction politique qui n'est pas de type étatique. Donc une forme de désétatisation. Et là, on tombe sur un thème qui a été l'occasion de beaucoup de contresens et beaucoup de débats, qui est le thème de la dictature du prolétariat. Et Marx dira au moment de la Commune de Paris, la dictature du prolétariat, c'est la Commune de Paris. Autrement dit, c'est ce processus de désétatisation, de déconstruction et de transformation de ce qu'était l'État bourgeois et l'État capitaliste, qui pour lui correspond à ce qu'il appelle la dictature du prolétariat. Donc non pas une dictature sanglante avec un pouvoir qui serait un pouvoir dur et étatisé, mais l'inverse justement. Quelle souplesse, quelle initiative historique, quelle capacité de sacrifice chez ces Parisiens. Après avoir été pendant 6 mois affamé et désorganisé par la trahison intérieure plus encore que par l'ennemi extérieur, voilà qu'il se soulève, sous la menace des baïonnettes prussiennes, comme si l'ennemi n'était pas toujours aux portes de Paris, comme s'il n'y avait pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne. L'histoire ne connaît pas d'autre exemple de pareille grandeur. S'il succombe, ce sera uniquement pour avoir été trop gentil. Toute la famille est en effet mobilisée par la Commune, d'une certaine façon, et ça se verra particulièrement lorsqu'il faudra accueillir les réfugiés de la Commune. Et toute la famille Marx passera plusieurs mois justement à s'occuper d'eux, à les accueillir. Donc il y a eu vraiment un travail militant et on n'a pas suffisamment parlé d'Eugénie, de sa femme, qui depuis le début, depuis le mariage au fond, s'est vraiment dévouée à la cause de son mari. Mais qui a fait plus que cela. Ce n'était pas seulement la femme fidèle et dévouée restant à la maison, qui a eu aussi une action politique moins connue, en particulier à cette époque-là. Et puis surtout, qui recopiait tous les manuscrits. Alors, qui faisait un travail, qui faisait en tout cas un travail qui accompagnait le travail de son mari, mais elle n'était pas la seule. Les filles aussi, à titre ou à un autre, ont été mobilisées dans ce travail-là. C'est justement donc la dernière, la cadette, Tussi, si je ne me trompe, enfin qu'on appelait comme ça, Éléonore, qui au fond a été la plus proche des idées de Marx et qui elle-même est devenue une militante socialiste, féministe, en même temps qu'artiste de théâtre, enfin quelqu'un d'extrêmement attachant et sans doute trop peu connu. Un détail quand même qui parle pour l'homme en tout cas, c'est qu'il avait conscience de ce qu'il avait imposé à sa femme et à ses filles, parce qu'il avait donc des filles à marier et que au moins 2 d'entre elles ont épousé des révolutionnaires ou des socialistes français qui n'étaient pas exactement de la tendance de Marx, qui avait plutôt des tendances proudhoniennes pour l'autre,
bakouniniste ou blanquiste pour l'autre, je ne sais plus très, très bien. Mais donc, il se méfiait également de ces jeunes Français fringants qui faisaient la cour à ses filles. Il faut dire qu'il les protégeait aussi et qu'il était un père de famille, disons, assez classiquement bourgeois. Hein, à l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Ce qui, donc, l'amène à leur donner une éducation. On leur paye des leçons de musique, de danse. Il organise, chose absolument extraordinaire, une réception à l'époque où se crée la Première Internationale, c'est-à-dire en septembre 1864. Il organise vraiment une réception pour ses filles, pour qu'elles rencontrent des jeunes gens. Et surtout, il voit bien combien elles peuvent souffrir du fait qu'ils sont plus mal logés que les autres, que les parents des amis de ses filles. À Danielson, décembre 1881. Mon cher ami, le deuxième jour de ce mois, après une longue et douloureuse maladie, j'ai perdu ma femme. Je fus avec elle durant les mois d'automne, comme garde malade, d'abord sur la côte anglaise, puis à Argenteuil, où nous pûmes profiter ensemble de la compagnie de notre fille aînée et de ses quatre petits garçons, tous bien trop attachés à leurs grands-parents. Malheureusement, ma propre santé ayant été plus ou moins précaire durant tout ce temps, à notre retour à Londres, je fus soudain pris d'une attaque des bronches compliquée d'une pleurésie, de sorte que, durant 3 des 6 dernières semaines de sa vie, je ne pus voir ma femme, alors que nous étions dans 2 chambres côte à côte. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas capable de quitter ma maison, j'étais à 2 doigts de quitter ce méchant monde. Les médecins veulent m'envoyer au sud de la France, ou même en Algérie. Le dernier voyage, le grand voyage qu'il fait en Algérie, est motivé par la nécessité du repos avec cette complication pulmonaire dont il a fini par mourir. Mais entre-temps était intervenu précisément l'épuisement. C'est quelqu'un qui a énormément, énormément travaillé. Il fumait. Il fumait énormément des cigares. Et buvait un peu de Porto de temps en temps, mais surtout il fumait, c'est évidemment ça n'arrangeait pas sa maladie. J'ai toujours pensé qu'il se passait quelque chose autour du cigare. Et à partir du moment où Marx est quelqu'un qui a énormément réfléchi à cette question du temps de travail et du temps de pause, il est évident que le temps que met une cigarette à se consommer et se consumer interfère dans le calcul général du temps de travail dans la journée, puisque dans les négociations avec les employeurs, il y a toujours parfois la notion de pause cigarette. Voilà. Donc tous les objets qui l'environnaient, bon, étaient susceptibles d'entrer dans les catégories de son discours théorique, que ce soit son logement, sa salle de bain, enfin tout, hein, tous les gestes de la vie d'un individu rentrer dans le grand calcul du capital, le grand calcul du monstre. Et donc Marx, pendant toutes ces années-là, 75-80, corrige, et en particulier, et ça l'a, je ne vais pas dire que ça l'a tué, mais ça l'a fait souffrir, il révise la traduction en français du Capital. C'est très compliqué parce que le traducteur est un proscrit. C'est un proudhonien qui a participé à la Commune. Donc il vit en exil. Il est caché. L'éditeur, lui, est proscrit et vit en Espagne. À l'époque, il n'y a pas les emails, il n'y a pas Internet. Hein, c'est long, tout est long. Donc on ne fait pas de photocopie, on recopie à la main pour être sûr de ne pas les perdre. Tout ça se passe dans un autre espace-temps que celui où nous fonctionnons aujourd'hui. Et il ne cesse de travailler, en fait. Mais évidemment, ça ne se voit pas au niveau éditorial. Ça n'est pas exhibé. À Williamson, janvier 1883. Cher docteur Williamson, la nouvelle fatale de la mort de ma fille aînée m'a forcé à regagner Londres. Veuillez s'il vous plaît envoyer votre facture au 41 Maitland Park, Londres.
Je regrette de n'avoir pas eu le temps de prendre congé de vous. Je trouve quelque soulagement dans de sinistres maux de tête. Seule la douleur physique étourdit la douleur psychique. Sincèrement vôtre, Karl Marx. Il meurt dans cette maison de Londres qui a disparu. Elle a été bombardée par les Allemands pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la seule trace qui subsiste de son passage, c'est sa tombe au cimetière, dans le cimetière de Londres. Et son buste majestueux. Mais voilà, il meurt de maladie. La qualité que tu apprécies le plus? La simplicité. Chez un homme? La force. Chez une femme? La faiblesse. Ce qui te caractérise le mieux? La ténacité. Ton occupation favorite? Faire des œillades à ma cousine Netchen, dévorer des livres. Le vice que tu détestes au plus haut point? La servilité. Celui que tu pardonnes le mieux? La crédulité. Ton idée du bonheur? Combattre. Du malheur? Se soumettre. Ton poète favori? Dante, Eschyle, Shakespeare, Goethe. Ton prosateur favori? Diderot, Lessing, Hegel, Balzac. Ta maxime? Nihil humani a me alienum puto. Rien d'humain ne m'est étranger. Terence. Ta devise? De omnibus dubitandum. Douter de tout. Quelqu'un qui se vit depuis le début comme un combattant, comme un lutteur. Jusqu'au bout, finalement, il maintiendra cette sorte d'éthique. Et on a repéré, on a relevé en tout cas, un entretien, une interview qu'il avait donnée à un journaliste américain. Donc, tout à fait sur le tard, 2 ans avant sa mort. Donc, il faut voir le décor. On est sur la plage de Ramsgate. Donc, on est en pleine vacances d'été. Et ce journaliste américain, donc, soudain, l'interroge et lui pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a? What is? Donc, question ontologique. Et donc, après un moment de profond silence et de recueillement, Marx ne trouve qu'à lui répondre « struggle ». Et je crois qu'il y a là un dernier mot de Marx. Le dernier mot de Marx qui, au fond, fait la boucle, résume, au fond, toute sa vie. Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes and shelter in the hood are so concerned with that that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually, unfortunately, beyond their rationale. They don't realize that America can't exist without separating them from their identity. Karl Marx, L'horizon du monde, par Thibaut Henton, avec Jacques Bidet, Isabelle Garraud, Christian Laval, Pierre Dardot, Jean-Pierre Lefebvre et Frédéric Monferrand. Voix, Yvan Cory, Lucille Comeau. Prise de son, Arthur Gerbeau, Jean-Marie Porcher. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Lionel Cantin. Porque si no, entonces te mando pa'l carajo, cabrón, gusano, hijo de puta. Seremos libres pronto.
Viva la révolution! Viva la révolution! Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 mai 2012. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.